Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk. Nous sommes toujours dans notre ville, les choses se passent plutôt bien. L'espoir est au maximum, les Londoniens sont en train de battre en retraite. Nous avons par contre dans quelques jours une température qui va fortement chuter. Donc on espère que ça se passe bien. Alors on vient d'atteindre l'entrepôt ruiné, voyons voir qu'est-ce qu'on va y trouver. Quelques ressources et de la bouffe, donc c'est cool. Et hop, attendez une seconde parce que... on va ramener tout ça à la maison du coup. Vu qu'on n'a pas d'autres trucs a priori, vu qu'eux ils sont en train d'aller explorer ça là-bas. Je m'étonne juste que j'ai pas plus de lieux à visiter. Donc, nos maisons marchent plutôt bien, la température est assez bonne dans la ville. Et plutôt bon, sauf certains endroits, genre les postes de garde, mais c'est pas trop grave. On va faire 100. Ok, donc on a pas mal normalement de stockage de charbon journalier. Donc on est en train normalement d'améliorer l'isolation des postes de collecte. Ça nous permettra à ces postes de collecte là d'avoir une température encore meilleure et permettre à ces gens là de travailler sans tous tomber malades. Nos infirmiers travaillent vraiment au maximum. Il reste juste quelques heures pour que ces gens là ressortent ici et ici aussi. D'ailleurs on va essayer de faire en sorte de les soigner le plus vite possible. Et aussi, donc on a pas mal de rations de côté et on a des vivres crus. On a des serres industrielles qui fonctionnent très bien, il fait très chaud dedans. Et nous avons de quoi traiter tous les malades. Parfait. Du coup, il va falloir faire gaffe quand ça va tomber à moins 70. Il va probablement falloir alimenter énormément. Donc on va explorer le bassin gelé. On peut atteindre des zones plus prometteuses. Alors ça nous donne accès à... rien du tout. D'accord, c'est intéressant. Alors eux, on va les faire revenir du coup. Bah j'ai plus rien d'explorable là, hein. Je suis allé partout. Alors je sais pas si c'est vraiment toutes les zones explorables du jeu. Alors pourquoi est-il... ils ont plus de ressources eux, donc on va pouvoir démanteler tout ça. Et par contre, je pense que ce qu'on va faire c'est... la station de forage. Merde, il me faut un noyau. Et pour ça, normalement, j'ai des noyaux qui sont peut-être amenés par... notre équipe d'avant-poste, sauf que j'ai l'impression que cette équipe d'avant-poste, pas ce qu'elle fait. Peut-être ici. Je les vois pas nous ramener des trucs. C'est bizarre. Ok, Londonien a encore perdu des partisans. Ok, la production de nourriture monte bien. Nous avons beaucoup de travail, parfait. La nourriture est vraiment très très bonne ici. Je crois que j'augmente ces sauts, c'est réchauffé si je peux. Ok, poste de collecte amélioré encore. Donc là il va faire très bon dans nos postes de collecte. Donc du coup, je pense qu'on va prendre l'extraction à vapeur parce que comme ça peut occuper jusqu'à 4 postes de collecte. On va prendre ça et on va remplacer celui-là du coup. Deux absences pour cause de maladie là-haut, d'accord. Ça devrait être rapide. Bon, l'espoir et le mécontentement sont parfaits. On va peut-être dire à ces gens-là de travailler 24 heures sur 24 ici. Et comme ça, on peut compenser avec une patrouille pour enlever le mécontentement généré. Et nous avons une équipe qui rentre avec un peu de bouffe. Par contre, du coup, ils ont nulle part où aller. Donc, je vais pouvoir démanteler ces équipes, je pense. Voilà, dissoudre. Ah, alors sur le livre des lois. Pour l'adaptation. Je vais sur le triage. On peut sacrifier les plus malades si on veut. Les funérailles, ce sera mieux s'il y a des décès. Les rotations étendues. Ouais, c'est la montée à 14h, ça va causer du mécontentement. Par contre, on peut mettre la maison de passe ou la loi sur les duels. Ouais, ou le triage. Alors, je vais peut-être aller sur l'ordre. Pas énormément de trucs, enfin sur le but. On a agitateur. A l'aide de haut-parleurs bien placés, nous rappelons à nos concitoyens l'importance de leur travail, ce qui va montrer leur efficacité. On monte de 20% l'efficacité des lieux de travail voisins. Ça augmente l'efficacité de 40% d'un lieu de travail pendant 24 heures. Ça peut être sympa. On va reconstruire les agitateurs. On va le signer ça. On va faire ça.
Et du coup, on va construire quelques agitateurs. Donc, on va en foutre ici sur la bouffe. Ici sur l'extraction. Attendez. Il faut que je le mette là, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bout de route. Ah. Ensuite, on va vouloir un agitateur. À quel autre endroit est-ce qu'on a? Mais là, c'est... Ouais, on peut en mettre un là. Et après, ouais, comme je disais, le mieux, c'est d'en foutre un ici. Ok. Ok, c'est le temps libre. Ok, donc recherche, extracteur à vapeur recherché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au prototypage. Comme ça, on va... Ouais, on va atteindre le maximum. Du coup, on va pouvoir mettre notre extracteur à vapeur à la place de celui-là. Les agitateurs sont construits, superbe. Ça va augmenter du coup le travail sur les environs. Eux, ils sont bel et bien au boulot. Du coup, l'isolation du bâtiment est meilleure aussi, donc ils ont moins de chances de tomber malade. Aucune ressource, oui, bon bah ça c'est le temps que lui produise des ressources à récupérer. Donc, je suis con, je peux peut-être redescendre juste au niveau 2 pendant un certain temps, vu qu'il doit faire vraiment très bon ici, ouais. Par contre, un truc qu'on peut peut-être faire, c'est vu qu'on va avoir des baisses de température, on peut faire quelques maisons sur le centre aussi. Juste que je garde un petit peu quand même de... Voilà. Donc ça, ça ira très bien déjà. Ça, on aura vraiment un niveau d'isolation au centre qui sera monstrueux. Il nous aidera à vraiment bien résister dans les phases très difficiles. Ah, on a eu un décès. Suicide d'un poète. Une personne vient de se suicider. Elle écrivait des poèmes parlant de la souffrance, du sentiment de perte, de la mort et du désespoir. Notre centre de propagande a lancé une campagne contre lui pour protéger la population de son influence. Tout le monde va dire que nous avons causé son suicide, sauf si nous changeons les apparences pour faire croire qu'il s'est alcoolisé au point d'en mourir. Pff, non. Oui. Allez. D'ailleurs, on peut faire un bulletin de propagande pour remonter l'espoir. On va essayer de voir si on peut pas mettre les derniers... Oh, les is basse. Nous sommes de nouveau tous ensemble. Ouais. Je crois que j'ai éliminé les londoniens. Nous ne nous diviserons pas, nous sommes plus forts ensemble. Cool. Pas d'espace pour les prisonniers. Certaines personnes qui étaient condamnées à une peine de prison se baladent librement. Merde. Ah, c'est au max ici. Merde, c'est à 10 sur 10. Ah non, 21 sur 30. Bah non, il y a de la place. Bon allez, faites-moi de l'extraction. D'ailleurs, on va récupérer nos ingénieurs, on va mettre des ouvriers à la place. Voyons voir. Ok, les éclairs viennent de revenir. Donc bah vous, je sais pas quoi vous faire faire hein, du coup les amis. Vous n'avez plus d'endroit où aller. Donc je vais juste vous dire de rentrer. Voilà. Ok, nouvelle recherche disponible. Prototypage automatique. Donc du coup... Les extracteurs hydrauliques, à vapeur produiront des tas de charbon 15% plus rapidement. Je pense pas que j'en ai réellement besoin. Augmenter la production des charbons. Les aciéries avancées. Enfin, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, on va faire ça parce qu'on a toujours, on est toujours un peu à la ramasse sur l'acier. C'est surtout sur le bois où on est au max. Après, normalement, on va avoir des vagues de mecs qui vont venir, sachant qu'on est à 158 lits inoccupés, donc on peut absorber pas mal de monde. Alors, je sais pas pourquoi ces gens-là, par contre, ils ont dû tomber malades. Ok. Bon. Voilà. Juste garder bien un œil partout. Ok, donc on a la température qui va chuter. On va pouvoir augmenter ça. Probablement remettre une rotation d'urgence derrière. Ok, la scierie avancée recherchée. Donc sur le chauffage, on va augmenter la portée du générateur.
On va construire nos aciéries avancées. Voilà. Attention à la température. Hein. Ok, donc 10 ouvriers et on a plus 3 d'isolation du bâtiment. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, du coup, les mines de charbon... Ouais, mais de toute façon, j'ai mis des automates sur les 2 mines de charbon. Donc elles pourront travailler sans problème. Extracteur à vapeur, ouais, va nous falloir. Bon, ça va, on est à 9000 de charbon. Donc franchement, on est à 2940 par jour. Ça va être amplement suffisant. Eux, ils extraient combien? Ah, ils ont pas énormément quand même. Hein. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'essaie d'augmenter les piles, la quantité de piles de charbon que je fais. Ça du coup c'est construit aussi. Par contre eux j'ai l'impression qu'ils ne marchent pas. Je vais l'annuler. Je vais le reconstruire. J'ai l'impression que c'est buggé. Alors... Acte de vandalisme, tiens. On va effacer les écrits. Pas grave. Alors, ouais bon, nouvelle journée de travail va commencer, donc la recherche va pouvoir se faire rapidement derrière. Et par contre là, on va avoir la chaleur qui va augmenter. Hop, qu'est-ce qui se passe ici? Des invités inattendus. Un groupe de survivants épuisés a atteint notre ville. Nous allons envoyer des équipes de recherche pour les rapatrier en ville. Allons-y. Alors du coup, on va recréer une expédition. On va aller les escorter. Donc voilà, nos premiers réfugiés arrivent. 27, 22, 21. Donc on devrait être capable de les gérer. Il va y avoir probablement beaucoup de malades. Moi ça va, j'ai de la place normalement sur les malades parce que j'ai... Ouais, j'ai 25 places de malades en gros. Je devrais pouvoir absorber tout ça. Là par contre, la température va tomber. Ça y est. Donc du coup, on va passer au niveau 3. Ensuite, on va remonter la température ici, ici. On va la monter là et sur ces postes-là. On va la monter, parce que là en plus elle est bien tombée. Ces trucs-là. Là-haut ce sont des... Donc, ça devrait aller. Qui fait très froid par contre. Attendez, je suis à 0 sur 4. Une seconde. J'ai pas un... Ah mais non. Automate, j'avais foutu. Ah ok, on va quand même foutre. Ok, donc ça va au moins y a une bonne température. Ensuite, on va activer le monsieur pour qu'il nous chauffe toute cette zone-là. Les maisons, c'est un peu juste quand même. On est à moins 5 à cause de la météo. Ces maisons là sont un petit peu justes. Est-ce qu'important de tomber gravement malade? Alors j'ai 3 maisons là-haut qui sont en problème. La cantine, il faut qu'elle bosse. Les ateliers, il faut qu'ils travaillent. Le pub si possible. Peut-être effectivement faire plus de foyers. Et choper cette zone. Chauffer cette zone, pardon. Pour essayer de choper la zone aussi. Bon après eux s'ils ont très froid honnêtement. Et ça. Alors si on regarde un petit peu notre situation. On est toujours bon. Hein. Ouais, pas mal qui sont gelés. D'ailleurs toi, tant que tu bosses. Toi aussi. Ouais, on a quand même... il fait quand même encore très froid au centre, là. On va voir. Je pense que... Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, on va faire des maisons partout où on peut. Ok. Déjà, ça, ce sera pas mal. Ok, portée du générateur de niveau 3, donc comme ça on est au max. Bon, rien que là, ça va bien augmenter.
On peut augmenter sa puissance. Pas sûr d'avoir besoin d'une puissance améliorée. Par contre, on peut augmenter l'isolation des maisons. Ça va nous aider à lutter là. Comme ça, avec toutes les constructions qu'on va faire, ça devrait améliorer la situation. Merde, j'ai encore 3 amputés. Bon, on va rajouter... bah oui. Non. Non. Voilà. Je vais en faire une dizaine de prothèses, comme ça ce sera fait. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Un problème dans le système. Capitaine, un homme proteste devant la prison. Il ordre de tous ses forces que notre système pénitentiaire est abusif. Qui enfermons-nous? Des criminels ou des innocents qui ont osé parler? Pensez-y, que devons-nous faire de lui? On va l'ignorer, ça va, je gère niveau mécontentement. Bon, ça va, ça va, ça va. Il y a très peu de personnes qui sont gelées. Et on arrive du coup à tenir. Ici, on va couper ça. On va avoir pas mal de maisons supplémentaires à faire, je pense. On va couper la scierie qui est ici aussi. Éviter que les mecs qui travaillent dans les scieries ne meurent de froid. Après, nos serres fonctionnent. Notre recherche avance, donc tout va bien. Pas mal, on peut construire d'autres maisons, probablement par ici. Après, ouais, on a vraiment un paquet de ressources. Oh, on peut construire d'autres maisons à la place des dortoirs. Et a priori, je n'ai plus que des maisons maintenant. Ah, c'est bon. En rajouter du coup comme j'ai deux ici et comme ça ça nous permettra vraiment d'accueillir une belle population et donc ça ira très bien. Oh d'ailleurs je suis au max de rations moi. On va devoir faire d'autres dépôts de ressources. Les dépôts de ressources on va en rajouter 1, 3, 4, et quelques routes, et ça nous permettra de faire des réserves. Merde, j'ai un mec qui est gravement malade. Hop, affronter la tempête. Ah, ce sont les réfugiés. 10 personnes, dont 30 qui sont malades, vont entrer dans la ville. On va accepter seuls ceux qui sont en bonne santé pour l'instant, malheureusement. Désolé pour les autres. Et... On est déjà juste sur le traitement de nos malades. Et après, parce qu'on a une autre vague de réfugiés qui arrive. Donc c'est principalement pour ça, en fait. J'aurais aimé pouvoir faire mieux. Ok, la température remonte un petit peu. Après, elle va redescendre de un niveau. Donc je pense que... On a peut-être plus trop besoin de faire tout ça, là. Pas sûr, hein, mais... Là, j'ai tout diminué. Je pense que je peux couper celui-là aussi. Je peux couper celui-là aussi. Il va faire un peu froid quand même, là. Et quoi, je trouve que... Le truc est mal placé. On va le défaire. Refaire un. Oui, ici, comme ça, ça va mieux couvrir toute la zone. Voire même. Là, il couvrirait encore mieux parce qu'il couvrirait aussi la scierie. Bon, du coup, les serres chauffées fonctionnent à moins 50 degrés. Nos bâtiments sont confortables. Donc, c'est bon. Ah oui, le livre des lois. On a les serments de loyauté. L'erreur est humaine, nous devons donner aux fautifs une occasion de se racheter. S'ils acceptent de coopérer, bien entendu. Une
persuadant les Sinoriens de signer un serment de loyauté qui fera d'eux des informateurs secrets. Ça fournira un bonus permanent d'espoir. Je pense que je vais aller au Pourion pour l'instant. Ok, alors, on est au maximum de réserve de nourriture, donc on va augmenter encore les rations. Et après, sur le reste, on va rajouter un peu de charbon. Voilà, donc là, on a de la bouffe, tout va bien. L'espoir est quasiment au max. On va rouvrir ça, du coup. Ah, les niveaux de points de collecte sont bons, hein. Viens voir. Ah oui, c'est des trucs que j'ai coupés, donc on pourra les réactiver si nécessaire. Toi, je vais te rouvrir. Ah merde, il a plus de bois, lui, en fait, donc je vais le virer. Et alors, ah voilà ce qu'il me fallait, parce que je produis plus assez de trucs, c'est la station... de... Eh merde, mais... J'ai toujours ce problème de noyau, là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il marche pas. J'ai presque envie de... le démanteler et puis... le renvoyer ici. Ça fait chier ça, hein. Ok, l'isolation des maisons a été recherchée. On peut améliorer notre isolation des bâtiments de santé si on veut. Ça nous sera bien parce qu'on va perdre un petit peu de ressources, enfin de niveau de chaleur bientôt. Après bon, les stations de forage de toute façon il faut des noyaux donc je pourrais pas le faire. Par contre les scieries à vapeur. Ouais ça pourrait le faire mais... il y a encore un peu de bois qui traîne. Je vais améliorer les équipes d'avant-poste pour qu'elles soient plus rapides quand même. Sombre nouvelle, un terrible accident est arrivé dans l'un de nos bâtiments. La majorité de l'équipe travaillant là-bas est morte. De nous étouffer l'affaire et dire à la population qu'ils sont partis. Non, il faut dire la vérité, même si l'espoir diminue un peu. Regardez, hop, ça remonte. Et du coup, ah ouais, ils sont quasiment morts effectivement. Donc je vais les mettre au boulot. Et après, du coup, pour l'extraction de la scierie, ouais, on a encore ceux-là où ils ont 137 points. Mais après, il nous reste quoi? Il nous reste un petit peu ici. Alors, on va en créer une standard de scierie, du coup. Que je peux pas faire la station de forage. Ah. Après, question bête, mais... ça, c'est pour les mines à charbon. Que... sans lieu où aller... je peux rien faire avec cette charbon. Un noyau tous les jours. Ils ont dû rester 3-4 jours là-bas, ils m'ont rien ramené du tout les mecs. Et après j'ai pas d'autre endroit où aller en fait. Ils vont peut-être atteindre des zones plus prometteuses. Ben non, il n'y avait rien du tout derrière. Bon bref, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Par contre, c'est un peu dommage que j'ai pas plus de noyaux du coup. Pas plus de 10 000 de charbon. Quoi, 6 jours à peu près. On a pas mal de réfugiés qui arrivent. On devrait pouvoir les traiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On va faire un autre. Attendez, si je fais un deuxième terminal. J'avais un emplacement pour un deuxième terminal. Peut-être que ça me permettrait d'avoir une deuxième équipe. Si je peux avoir une deuxième équipe, je peux effectivement essayer de l'envoyer à l'autre truc. Yes! Ok. Donc on va essayer quand même de retourner là-bas. Là, la seconde vague. 25 malades, 25 gravement malades.
Je pense qu'on peut se permettre de supporter ces malades-là. On va les accepter. Et peut-être que je devrais pouvoir essayer de caler, parce que j'ai pas mal de monde qui bosse pas. Tiens, voyons d'ailleurs, hop, allez bosser. Peut-être que je devrais pouvoir faire une autre infirmerie. Non, parce qu'il me faut des noyaux pour l'infirmerie, c'est vrai. Bon, on va faire les serments de loyauté. Augmenter un peu le mécontentement. On va en profiter. Ouf, pas trop besoin. Et on pourra peut-être refaire ça quand on... Et donc on a pas mal d'habitants. Alors on a qu'un seul qui est malade gravement. Alors ce qu'on va faire, c'est peut-être c'est... Au niveau des infirmeries, on va donner un boost afin de pouvoir soigner un maximum de monde le plus vite possible. Après, eux, ils sont revenus. Donc, troisième vague de réfugiés. On va aller les récupérer. Ok, donc équipe d'avant-poste plus rapide. Ça va être bien. Troisième équipe d'éclaireurs, j'en ai pas besoin. On va rechercher, je pense, la puissance du générateur. Non, parce que ça, ça pourra attendre. Par contre, l'efficacité, ça serait pas mal. Réduire la consommation du générateur. Ça serait très très cool. Ah merde, j'ai un citoyen qui est gravement malade. Je pense que les derniers, on va probablement pas pouvoir les traiter, malheureusement. Donc, construire un avant-poste. Construire un avant-poste. Espérant que celui-là arrive à nous envoyer des noyaux, finalement. Par contre, je pense que je peux pas faire d'autres terminales. Non, il n'y a pas d'emplacement disponible pour faire un autre terminal. Un droit qu'à deux emplacements de terminal. Ok, bon. Bon, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici. Et prochain épisode, on va accueillir la troisième vague de réfugiés et continuer à développer notre recherche, principalement. Et ouh, d'ailleurs, voilà. Les chaleurs nous aident pas mal. Bref. D'ailleurs, je vais le laisser au niveau 3 pour l'instant. Juste par curiosité. Ouais, on est à 2940 par jour, ça. Bref, merci à tous. Excellente journée et à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!